Coucou les filles, c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche et c'est vraiment le jour où je fais ma routine lavage à fond, donc avec un trépoux, mon shampoing et mon après-shampoing et aussi un roller set pour me laisser les cheveux. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je me fais mon prépoux avec une serviette chaude pour faire un effet vapeur. Et donc l'intérêt de la vapeur et de la chaleur, c'est que le soin va pénétrer encore plus profond dans les cheveux pour en gros profiter au maximum des effets du masque. Et donc là aujourd'hui je vais utiliser mon masque de chez Aubrey Organics, le Honeysuckle Rose Moisturizing Conditioner que j'ai acheté sur iHerb, c'est celui-ci. Et puis mon huile de coco pour sceller le tout. J'utilise cette huile de coco que j'ai aussi achetée sur iHerb. Et donc cet après-midi, ce sera un soin à 100% hydratant parce que je vais utiliser en masque après mon shampoing mon Afogé 2 Minute Reconstructeur. J'essaye d'alterner entre hydratation et protéines selon les besoins de mes cheveux. Et donc là, j'ai besoin aussi d'une serviette que je vais aller humidifier tout à l'heure avec de l'eau chaude. Et puis une jarrette en plastique pour garder le tout bien au chaud. Donc là, je vais commencer par démêler mes cheveux, les séparer pour appliquer le masque. Donc là, mes cheveux sont déjà bien démêlés. Donc, je repeigne encore. Pas besoin de faire des séparations parfaites. L'intérêt, c'est de pouvoir appliquer le masque correctement sur tous les cheveux. Donc, j'en prends une bonne portion. Moi, j'aime bien que mes cheveux soient saturés de produits, donc je ne lésine pas sur la quantité. Je commence par les pointes et je remonte. Et en fait, j'aime beaucoup ce masque parce que la texture, elle est vraiment fondante et rentre vraiment dans les cheveux très facilement. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une crème hydratante pour le corps. C'est exactement la même texture et ça fond assez facilement et assez rapidement. Donc j'insiste sur les pointes, comme toujours je tourne pour bien répartir le soin dans les cheveux. Je prends mon huile de coco et là j'en prends une quantité aussi assez généreuse. Je fais bien fondre et j'applique sur les cheveux. Toujours en insistant bien sur les pointes. Et je sépare pour en mettre à l'intérieur. Et je rattache. Voilà. Maintenant, j'ai défait tout pour tout regrouper au-dessus de la tête. Ce sera plus simple pour après mettre la serviette et tout. Hop, là avec une seule pince. Et je vais aller humidifier ma serviette. Donc là, ça y est, ma serviette est chaude. Je l'ai préalablement mouillée, passée au micro-ondes pendant 1 minute 30. Il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus pour ne pas vous brûler. Et donc là, je l'ai pliée pour garder la chaleur le temps que je finisse en fait. Et donc là, je déplie. Je la pose. Je mets les coins comme ça. Enfin, je la mets d'une façon franchement à l'arrache. L'important, c'est juste que mes cheveux soient recouverts. Et ensuite, je prends ma Charlotte rapidement. Je la place dessus. Hop. Je fais rentrer la serviette dans la Charlotte. Et après, par-dessus, j'aime bien mettre une autre serviette pour garder vraiment les cheveux au chaud pendant le temps de refroidissement. Donc là, ça y est, j'ai mis ma serviette et je vais garder le tout pendant 20 minutes, le temps que la serviette refroidisse. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça coupe le temps de pause en deux, je dirais. Et là, en 20 minutes, mes cheveux sont soignés comme il le faut et même mieux que sans serviette chaude, donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.